risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. 3 cas de coronavirus sont confirmés en France, hospitalisés en ce moment même à Paris. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie, en protection ? Surtout pas, c'est totalement inutile. À minuit, heure de Paris, la 340 militaire quitte Wuhan. À bord, quelques 200 Français, finalement rapatriés. Il avait été un des premiers hospitalisés en France, victime du coronavirus. J'ai décidé aujourd'hui de présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris. Ce ministère a besoin d'un engagement plein et entier dans la période actuelle, vous le savez. Les Français aiment bien se faire la bise, donc ça, ici, on le pratique forcément. Et à cette époque, on ne pouvait pas imaginer. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Nous surveillons la situation. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 patients qui souhaitent hospitaliser en France, sur les 12 au total. La situation en Chine, nous la surveillons au quotidien, au jour le jour. La situation au Japon aussi. Une vie au ralenti. Nous sommes à Biaschens, à 100 000 habitants, une grande ville qui se trouve à 7 km à peine de la zone de confinement. Nous devons nous concentrer sur l'endiguement du virus et faire tout notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandémie. Quelques fleurs en guise d'hommage devant le collège où le professeur décédé hier enseignait. Un département sous le coup de l'émotion et qui s'interroge. Comment cet homme et l'autre patient toujours hospitalisé à Amiens ont-ils pu contracter le virus alors qu'ils ne sont allés ni en Italie ni en Chine ? Une course contre la montre s'engage à la recherche du patient zéro, celui qui a transmis le virus. Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur le sénateur, les enjeux des réseaux sociaux et des rumeurs. Je pense que c'est notre principale menace. Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens. Le ministre l'a dit, mais je le redis, il y a des stocks stratégiques importants détenus par Santé publique France sur les masques chirurgicaux. Donc on n'a pas d'inquiétude. 3000 supporters italiens ont été autorisés à faire le déplacement pour passer la soirée dans le stade de Lyon. Coronavirus, venez tous, on est tous en train de tousser. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Décider ça dans une réunion du gouvernement convoquée à la hâte à propos du coronavirus, c'est très lourd, quoi. C'est une façon de faire qui est très, très ressentie comme brutale et grossière. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Et on n'arrêtera pas cette pandémie si on ne sait pas qui est infecté. Nous avons un message simple à tous les pays. Tester. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer.
Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre, partout sur le territoire national. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes. Ces stocks de masques, ils servent en priorité aux soignants. La doctrine d'emploi pour ce qui est des forces de l'ordre, pour revenir sur ce sujet-là, c'est que les masques ne sont utiles que dès lors que vous êtes en proximité immédiate avec, quand vous êtes policier et gendarme, avec quelqu'un qui est susceptible d'être infecté au Covid-19. Gardez, tu as même plus de boules, gamin! Vous avez tué combien de mecs comme ça? Hein, tu fais quoi? Tu fais quoi, cette tire? On t'a filmé, t'es mort! On t'a tout filmé! Les tests permettraient, en effet, si on les avait en très grande quantité, de tester les individus suspects et ensuite donc de les isoler par rapport au contact. C'est donc un enjeu majeur. Si nous n'avons pas choisi cette stratégie en France, là, dans l'immédiat, comme ça a été fait en Corée, c'est parce qu'on n'avait pas la capacité, dans un premier temps, de réaliser du test pour un très grand nombre de personnes. Moi, j'appelle au civisme des entreprises. Je suis scandalisée de voir que hier, la fédération du CAPEB a écrit à tous les artisans d'Auvergne-Rhône-Alpes en disant « Arrêtez tous les chantiers, il y a des solutions pour protéger les salariés. » Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire « Je suis ministre, je me mets un masque. » Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Donc moi, je veux lancer un grand appel à l'armée des ombres. Je leur dis « Rejoignez la grande armée de l'agriculture française. » Puis cette info BFM TV, une salariée de Carrefour morte du coronavirus hier soir. C'était une femme de 52 ans. Elle était arrêtée depuis le 17 mars. Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Nous avons ensuite un autre sujet critique, les respirateurs. Et autour d'Air Liquide, un consortium industriel français vient de se constituer qui réunit Air Liquide, Schneider Electric, Valeo et PSA. Ce consortium va permettre de produire, d'ici mi-mai, 10 000 respirateurs. Un attroupement pour voir le président de la République. Une scène inédite depuis le début du confinement. Un comportement irresponsable pour l'opposition. Après Macron au théâtre, Macron à Pantin, qui suscite un attroupement et met les habitants en danger pour un coup de com', grotesque que le président montre l'exemple, respecte les consignes. Les règles prévues par le gouvernement devront continuer d'être respectées. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Car la situation actuelle creuse des inégalités. Nous avons, à la sortie du confinement, 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminées et de continuer à développer une forme grave. Donc on continuera le confinement. Mais pour combien de temps? Pour l'instant, en tout cas, ce confinement général semble porter ses fruits. Le nombre de personnes hospitalisées a baissé pour la première fois hier. Nous avons donc encore de nombreuses hospitalisations et beaucoup de passages en réanimation. Mais aussi de plus en plus de patients qui quittent l'hôpital, et je m'en réjouis. Sur le sol, le jeune motard, sérieusement blessé à la jambe, est pris en charge dans l'instant par les policiers sur place. Des témoins expliquent que la voiture de police était devant et qu'à l'instant où le motard est arrivé à sa hauteur, la porte de droite s'est délibérément ouverte, fauchant alors le pilote de la moto. Je pense que mes propos initiaux ont été mal compris, je vais donc les répéter. Est-ce qu'il ne faudrait pas les protéger contre leur gré ? La recommandation est de leur dire, essayez De maintenir une certaine forme de confinement. Mais c'est une décision individuelle, évidemment. En Seine-Saint-Denis, ce sont 220 000 contrôles que nous avons réalisés depuis le début du confinement. C'est un peu plus du double de la moyenne nationale.